Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans une nouvelle vidéo au Kazakhstan. Nouvelle journée qui débute dans la ville de Turkistan. Je viens de partir de l'hôtel. Alors en fait il est déjà 13h. Ce matin j'ai traîné, déjà j'ai fait un peu une grasse matinée. J'ai dormi assez tard et puis après je suis resté tranquille dans la chambre. J'avais quelques trucs à faire sur l'ordi. Donc je sors seulement maintenant. Et donc je suis directement venu dans un restaurant, genre de fast food restaurant. Et j'ai pris un sandwich comme ça qui ressemble à un kebab. Avec de la viande, des tomates, des concombres et des oignons à l'intérieur. Le pain est très bon, bien croustillant, et je pense que c'est de la viande d'agneau à l'intérieur. Au programme, pour débuter cette journée, je vais aller faire un tour dans le bazar de la ville. J'ai vu en regardant sur Google Maps qu'il y avait un bazar à quelques minutes à pied d'ici. J'aime beaucoup quand je voyage aller me balader dans les bazars, et j'en ai toujours pas vu ici au Kazakhstan. Donc je finis de manger ça et on va se balader dans le bazar de Turkistan. Это классика. Nice. Handmade? Machine or hand? No, machine. 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 Yeah. Okay. Oh. No machine. Handmade. Okay. Iran. 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 Oh, okay. Handmade. Fait à la main. Okay. Good. Откуда? Француз. Француз? Да. Чего вы на тагаш? Very much. Инстаграм. О, Инстаграм, окей. Возьми. Окей, окей. Напиши. Спасибо. Окей. Меня зовут Олжас. Name? Олжас. Олжас. Окей. Ромео. Ромео? Ромео. Да. Ромео. Инстаграм, напиши мне. Да, да. Да. Окей, окей. Мясо хочешь? This? Oh, il va m'offrir de la viande. Oh, yeah. Non. Спасибо. До свидания.
J'ai fini ma balade dans le bazar de Turkestan. Je suis resté vraiment longtemps, 2 heures je crois à peu près. Alors il y a plein de parties différentes du bazar, une partie vêtements, une partie fruits et légumes, une partie viande, une partie tapis. Enfin, c'est assez varié, il y a plein de choses à voir. Les gens, les commerçants sont super gentils, j'ai eu beaucoup de petits échanges, on m'a demandé d'où je venais, est-ce que j'aimais la ville de Turkestan. J'ai réussi à vous filmer certains de ces échanges. C'est pas toujours évident hein, parce qu'en général c'est très rapide. Et puis voilà, j'ai pas trop le réflexe toujours de dégainer la caméra. Enfin, c'est pas que j'ai pas le réflexe, c'est que bon, quand tu parles vite fait avec quelqu'un comme ça, tu vas pas d'un coup sortir ta caméra et commencer à le filmer. Donc j'ai pas pu vous filmer tous les échanges que j'ai eu, mais il y en a eu vraiment beaucoup. Dans la partie où il y avait les tapis, il y a un monsieur qui m'a carrément emmené à l'étage et il m'a montré, il m'a déroulé quelques tapis et il y avait un gros stock de tapis. Un gars aussi dans la partie viande avec qui j'ai discuté pendant un moment, qui me demandait de le prendre en photo, après il m'a donné son Instagram, enfin vraiment j'ai trouvé encore une fois les gens super sympas. Dans la partie fruits et légumes aussi il y en a quelques-uns qui sont venus me parler. Les gens sont très curieux en fait, dès qu'ils voient des étrangers qui ne sont pas des Russes, ils sont vachement curieux. Et puis bon, comme d'habitude, ça parle pas très bien anglais mais on arrive toujours à communiquer un peu avec quelques mots et quelques gestes. J'ai croisé aussi par hasard dans le bazar Christopher, le Danois avec qui j'ai passé les 2 jours à Aralsk. Je suis tombé sur lui vraiment par hasard dans la partie fruits et légumes. Du coup, on a marché 10-15 minutes ensemble. On a discuté un peu. Enfin ouais, vraiment super les bazars. Voilà, vous savez que j'adore ça. C'est vraiment super pour faire des photos, des vidéos. Et du coup, juste après, j'ai marché jusqu'au parc qui se trouve à l'entrée du mausolée que j'ai visité hier. Je vous avais dit dans la dernière vidéo que je reviendrai ici aujourd'hui en fin de journée. Là, il est bientôt 17h. Je voulais revenir en fin de journée parce que déjà, j'ai pas pu faire de photos avec le Kodak hier du mausolée parce que la pellicule était finie. Et en fin de journée, la luminosité sur le mausolée est bien meilleure. C'est bien plus intéressant pour faire des photos. Donc, je vais en profiter. Je vais aller faire mes photos avec le Kodak. Et aussi, je vais en profiter pour aller visiter la mosquée souterraine qui se trouve juste à côté du mausolée que j'avais pas eu le temps de visiter hier. Русский чуть-чуть. 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 Yeah. Вот камера Франции, вот улица. Камера есть? Видео. Видео. YouTube, YouTube. Да. Да. Канал. А, канал. Моно. YouTube канал. Яма. Subscribe. Subscribe, okay. Thank you. My name is Juman. Juman. Okay. Okay. This. Thank you.
Et me voilà de retour à mon logement après m'être baladé autour du mausolée. Alors j'ai pu faire mes photos avec le Kodak. La luminosité en fin de journée, ça rend le bâtiment vraiment incroyable. J'ai aussi bien sûr visité la mosquée souterraine. L'entrée coûtait 500 tenge, ce qui fait 1 euro. C'était très petit, hein. J'ai fait ça assez rapidement. C'est un genre de petit musée. Bon, c'était pas fou non plus quoi. Après, j'ai trouvé un genre de village d'époque dans un parc juste à côté du mausolée que j'avais pas du tout vu hier. Et puis voilà, je me suis baladé un peu par là-bas dans des endroits que j'avais pas vu hier. Et après, je suis revenu à pied jusqu'au logement. Je suis tout rouge, j'ai l'impression. Regardez, c'est abusé. Entre la couleur des murs et la couleur de mon visage, bah, il n'y a pas beaucoup de différence. J'ai pris des couleurs depuis que je suis là. Là, il est 19h, je me pose un petit moment dans la chambre et après, je ressors pour manger. Bon, c'est l'heure de manger. Je suis revenu dans le même restaurant que là où j'ai mangé hier soir. Très bonne adresse, hein, c'est juste à côté du logement. Et en plus, le personnel est super sympa. Là, je suis arrivé, ils m'ont reconnu. Ils sont directement venus me parler. Ils étaient contents que je revienne. Le serveur, j'ai parlé un peu avec lui hier. Il parle anglais assez bien. Du coup, c'est cool. Voilà, je peux communiquer avec eux. La nourriture est bonne. Donc, ça fait plaisir de revenir ici. J'ai pris un lagman. Lagman, donc des nouilles en sauce avec des légumes et de la viande. Viande de bœuf, je crois. Qui coûte 1800 tenge, ce qui fait un peu plus de 3 euros. Vraiment très bon. Les lagman, valeur sûre. Je suis de retour à mon logement après ce très bon repas. C'est une journée où j'ai pas fait énormément de choses non plus aujourd'hui, mais journée très sympathique quand même. En fait, cette ville de Turkestan, tu peux clairement la visiter en une journée. Il n'y a pas non plus 10 000 trucs à faire, c'est le mausolée et ses alentours qui sont intéressants surtout, et puis aussi le bazar que j'ai vu cet après-midi. Mais voilà, sur ce voyage au Kazakhstan, je prends mon temps, voilà, j'aime bien faire les choses tranquillement. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.